Ayam Nour, accroche-toi bien. Me faire passer pour un menteur, je déteste ça. On va tout déballer sur le web, let's go. Personne ne touche à ma crédibilité, surtout quand c'est vrai. Tu n'aurais jamais dû faire ton démenti bidon. Montre les tampons de passeport maintenant. Moi je vais parler de l'époque lyonnaise. Le peuple a le droit de savoir vu que tu as osé mentir publiquement. J'espère sincèrement que tu as les reins solides. La reine de la manipulation et du mensonge alias Ayam Nour. Lyon c'est pas une ville bébé, c'est un village. Tout se sait. Tu as oublié que j'étais originaire de Lyon, et que je savais tout sur toi? Tu as oublié notre personne en commun à Lyon? Tu as oublié tes vidéos et photos à Grand Clément? Des vidéos et photos jamais sorties preuve de ton escorting? Tu cherches quoi? Rétablis vite la vérité me concernant, assume ton aller-retour à Paris avant que je sorte tout avec preuve à l'appui, et tu vas tellement halluciner et te demander comment j'ai ça en ma possession que tu vas quitter Internet. Je l'ai attendu longtemps ton fashion faux pas. On te connaît tous à Lyon, sale mythomane. T'es amnésique, tu veux jouer ou pas? Il n'y a pas que cette vidéo évidemment, on va tout savoir et voir de toi. Rétablis vite la vérité sur Aquabeb. Lyon te connaît, on a tous vu ce que tu faisais, mais pas la France entière. L'horloge tourne. Fallait pas dire que je mens dans la presse et faire en sorte que mes articles soient faits pour nuire à ma crédibilité. Oublie pas ce que tu faisais juste pour un kebab à 5,50€. Tu disposes désormais de 24 heures. À très vite, Ayam Nour la mythomane. Escorting, drogue, proxénétisme, sextape, trafic illégal et autres. Avec preuve à l'appui, bien sûr. T'as vu ce qu'Ayam a dit sur toi aujourd'hui en live? Aquabeb le mytho etc. Elle se croyait maligne sur son live Insta et faisait bien l'insolente. Fallait pas mentir. Ni mal parler de moi. T'étais bien insultante, je t'avais jamais dénigré. Tu as lancé les hostilités, faudra assumer. J'attends ton démenti, sinon tout sortira. Avec ton compte en banque à moins 15 000€ là. Donner son cul ça paie pas assez visiblement. La vidéo et photo dans la cage d'escalier vient tout juste d'arriver. Tu oublies trop ta vie toi, tu crois ta vie c'est d'espérette. Non ma belle, ta vie c'est Jordi Shore mais en plus trash. Faudra assumer, je vais pas te louper. Tu touches à ma crédibilité, je vais toucher à la tienne. Le petit con va te faire halluciner. Bisous Ayem, fais un gros bisou à ta proxo qui est toujours présente dans ta vie d'escorte. Elle va tomber avec toi. T'as un fils et tu continues de tapiner. Accroche-toi bien bébé, on va rigoler. Allô allô, Ayem cherche ton numéro. Elle pleure, et dit de stopper. Mort de rire, j'attends son démenti et des excuses pour ses propos et après on pourra parler de téléphone. Prends ton téléphone, va sur Instagram, fais une story, parle. Reconnais ton aller-retour, montre les tampons de douane sur ton passeport. Pour répondre à ces fans qui se battent en duel, qui parlent d'harcèlement ou acharnement comme à chaque fois que vous avez rien à dire de concret me concernant. Vous avez sali le mot harcèlement et acharnement tellement vous l'utilisez à tort et à travers. Oubliez pas, c'est elle qui m'a insulté, pas moi. Elle qui dément et fait tout pour me faire passer pour un menteur. Moi ma crédibilité, c'est toute ma vie, c'est mon taf. Du coup oui je pars en guerre pour rétablir ma crédibilité. J'ai uniquement ça. Concernant son fils, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que les vidéos et photos sont extrêmement choquantes et son fils peut tomber dessus plus tard. Elle a pleuré toute la nuit, elle a appelé des proches en commun, elle leur a supplié en leur disant « mais j'ai déjà démenti, je peux pas lui donner raison, je peux pas », imagine il tient pas parole et malgré le démenti il sort les vidéos. Tu te trouves des excuses. J'attends juste que tu parles et que tu dises « oui Aquabeb avait raison, j'ai bien été vu à Orly ». Y a quoi de mal? En tout cas, je suis pas un sans-cœur. Tu as un enfant, je vais pas sortir les photos et vidéos mais par contre tout expliquer de A à Z ta vie, celle de ta proxo Farida. Quand on joue, on perd, c'est tout.